Voilà, nous sommes ici à l'entrée de la galerie sous abri où les militaires circulaient en temps de guerre, et vous avez ici donc le rail avec les chariots qui était destiné à alimenter en munitions les deux tourelles cuirassées. Donc nous sommes à l'entrée de la tourelle Jeanne d'Arc devant le sas principal. Donc nous sommes ici donc devant donc une des deux tourelles cuirassées. Donc nous avons la partie intérieure. Donc cette partie tournante face à vous, qui pèse 160 tonnes, repose sur une couronne constituée donc de 16 galets tronconiques, eux-mêmes situés sur une piste circulaire de 9 mètres de diamètre. Face à nous, les deux canons de 155 longs de Bange, reposant sur l'affût et le socle, dont chaque élément pèse en gros 20 tonnes. Et les canons sont ici en position de sécurité, en position hors batterie à l'horizontale. Comme nous sommes à l'intérieur d'une carapace fermée qui présente une ouverture en gros de 60 cm de haut sur 40 de large, le pointage en site se faisait par un dispositif particulier, ce qu'on appelle un affût à pivot de rotule, de manière à éviter un grand débattement du tube dans le sens vertical. La cadence de tir de cette tourelle est de tirer une salve de deux obus toutes les 3 minutes, qui était la vitesse de rotation moyenne donc de la pièce. Et en opération de combat, la tourelle était en rotation permanente de manière à éviter les coups d'embrasure sur les canons par le tir adverse. Oui, donc on chargeait l'obus. On a ce qu'on appelle une gargousse, c'est-à-dire une charge propulsive divisible dans des sachets en toile amiantine pour éviter les résidus combustibles. On ferme la culasse. On a ici, je dois l'avoir dans ma poche, il faut que je la retrouve. La voilà. Ce qu'on appelle une étoupée électrique, c'est le briquet en fait. On démasque le canal de lumière, on l'enfile là-dedans et on relie aux batteries. C'est un tir électrique. Alors, pour pouvoir tirer sur l'adversaire, on a repéré, imaginons que l'adversaire est dans cette direction, vu la masse de 160 tonnes, vous ne pouvez pas, en arrêtant le moteur ou les manivelles, vous arrêter pisse avec une inertie. Pendant un quart d'heure, la tourelle n'arrête pas de bouger. Donc, comme la tourelle, elle tourne sans arrêt. Quand elle arrive face à la position sur l'adversaire, vous avez un astucieux contact de deux lamelles séparées par une couche d'air avec un curseur qui est positionné à l'endroit où l'ennemi. Quand le curseur arrive au contact des deux lamelles, il les pousse, il y a une fermeture automatique et la tourelle continue de tourner. C'est un tir électrique. Voilà, nous sommes ici à l'emplacement du monte-charge qui relie l'étage au-dessous de nous où se trouve la salle de préparation des munitions et des charges propulsives. Et par ce monte-charge arrivaient deux obus de charges propulsives avec les fusées qui étaient pris à bras par les servants qui les passaient donc aux servants de la pierre qui se trouvent dans la chambre de tir. Donc au total, il y avait 25 servants par tourelle. Nous sommes ici à l'étage inférieur au-dessous de la tourelle où se trouve donc l'appareil de commande avec le moteur électrique. À la fin du 19e siècle, l'électricité n'étant pas en place, c'était un moteur alimenté au charbon. L'électrification de cette tourelle a été faite entre les deux guerres, entre 1931 et 1935. Vous avez deux pignons avec un pignon baladeur, puisque la tourelle a deux vitesses de rotation, une vitesse rapide de 1 tour par minute et une vitesse lente de 1 tour en 3 minutes qui était utilisée pour pouvoir recharger les canons. Au niveau donc du ravitaillement des tourelles en munitions, avec un des chariots en munitions chargé de deux obus et qui, par le biais du monte-charge, descend au fond du fossé où se trouvent donc les soutes à munitions. Donc on entreposait dans des salles séparées les fusées, les charges propulsives et les obus. Ces obus étaient remontés au fur et à mesure dans la chambre de tir au moment donc des activations pour les combats. Donc nous sommes ici au niveau du PC donc de tourelle, où se trouvent les centrales téléphoniques qui permettent par
le biais de la ligne téléphonique militaire reliant tous les ouvrages Maginot entre eux, de renseigner les tirs et en fonction des conditions météorologiques, hygrométrie, vitesse et dérive, de donner les tables de correction pour transmettre par téléphone l'ordre de tirer aux tourelles nord et sud. Donc là, vous vous trouvez devant l'entrée de l'ouvrage Maginot du Barbonnais. Configuré, tous les forts Maginot des Alpes françaises sont configurés dans la même situation, c'est-à-dire une entrée pour les véhicules et une entrée pour le personnel. Par manque de place, contrairement aux ouvrages Maginot de l'Est, où l'entrée véhicule et l'entrée personnel étaient différentes. Nous allons rentrer dans l'ouvrage, qui se trouve donc à peu près à 25 mètres sous roche. Suivez-moi. Donc là, nous nous trouvons dans le bloc numéro 1, c'est-à-dire le bloc d'entrée personnel et véhicule. Ce bloc était défendu par 3 FM-24-29, montés sur rotule étanche, étanche au gaz. Et nous avions aussi, en même temps, un dispositif de lance-grenade. Donc, pour le bloc 1, il y avait 3 lance-grenades et 3 fusils mitrailleurs modèle 24-29. La dotation en munitions pour les FM-24-29 de défense extérieure était de 7500 cartouches par FM. La dotation de munitions pour les FM-24-29 se trouvant à l'intérieur de l'ouvrage en cas d'intrusion était de 1000 cartouches. Parallèlement à ça, sur les dessus de l'ouvrage, nous avons une cloche GFM. GFM comme gay fusil mitrailleur avec le même style d'armement, mais avec une dotation en munitions de 14 000 cartouches. Donc vous vous trouvez dans l'usine du fort du Barbonnais. Cette usine comporte deux moteurs de marque SMIM de 150 chevaux. Ces moteurs ont été réactivés il y a à peu près une quinzaine d'années. Ils fonctionnent, ils servent essentiellement à fournir du courant. Donc nous nous trouvons dans la salle de neutralisation des airs gazés, centrale de ventilation, car en cas d'alerte au gaz, le fort pouvait continuer à être entièrement opérationnel malgré l'air vicié. Donc un système d'aspiration de l'air extérieur se trouve devant l'entrée du porte-véhicule, a été aspiré, traité dans des immenses filtres à charbon pour être refoulé dans l'ensemble de l'ouvrage. Il faut savoir que cet ouvrage avait 300 personnes en permanence. Donc nous allons passer en mode air vicié, c'est-à-dire que là je vais aspirer l'air extérieur, je vais le refouler dans l'ensemble de l'ouvrage. Donc au bout de la grande galerie, une deuxième porte blindée anti-intrusion avec un créneau de tir. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le bloc artillerie et les PC. Donc là, actuellement, nous sommes toujours 30 mètres sous roche. Nous nous trouvons au pied du bloc d'artillerie avec un monte-charge qui servait à acheminer les munitions dans les chambres de tir. Si vous voulez me suivre, nous allons monter 30 mètres plus haut. Donc, en premier étage, les mortiers, deuxième étage, les canons 75-29. Donc, nous nous trouvons ici donc, au premier étage du bloc d'artillerie, la seule partie visible de l'extérieur. Nous trouvons devant des mortiers de 80 mm, deux pour l'ouvrage du Barbonnais. Ces mortiers avaient une portée de 3200 mètres et servaient essentiellement à la défense rapprochée de l'ouvrage.
Donc les mortiers, par mesure de sécurité, sont stockés avec les ailettes séparées du corps de l'obus. Cet appareil sert à visser la fusée, les ailettes, et éventuellement rajouter des charges relais de poudre pour augmenter la portée de l'obus. Une fois l'obus préparé avec ses éventuelles charges relais, le servant place l'obus dans le mortier. Verrouille la culasse et le coup est prêt à partir. Donc là, nous nous trouvons dans la chambre de tir des obusiers de 75-29. Cet emplacement, malheureusement, a vu une tragédie se produire, vu que le canon a éclaté en 1940 suite à un sabotage de la munition ou une défaillance de la cartouche. Et ça a coûté la vie aux deux canonniers Boutigny et Lauré. Donc les canons 75-29 sont du même principe que les canons de 75 normaux d'artillerie. On introduit une cartouche de 75. On verrouille la culasse et le coup part. Donc la protection rapprochée du bloc d'artillerie face à des éléments susceptibles de submerger le fort, était assuré par trois créneaux de tir de fusil mitrailleur 24-29, trois goulottes lance-grenades et d'une cloche GFM avec donc une notation de 14 000 coups, rien que pour la cloche. Donc la visite de l'ouvrage Maginot du Barbonnais se termine. Il faut savoir que l'ouvrage Maginot n'est pas ouvert au public, uniquement réservé au personnel de la Défense. Donc nous sommes ici dans la salle musée dédié aux munitions. Donc vous voyez dans cette salle les munitions de la bataille des Alpes et du débarquement de la Provence en août 1944, ce qui montre que la densité de munitions tirées dans le secteur a été considérable et a affecté une partie de la population. Il y a eu notamment beaucoup de victimes par les tirs d'artillerie de marine qui sont tombés sur le village de Sospel et également par les champs de mines laissés par les Allemands après la guerre.